Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'African Sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique. Salama Nagadef Ndiaraman. Ayo Boto. À tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya FM, la radio africaine faite par des Africains pour les Africains. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Ifriqiya Sport, le magazine sportif de notre chère radio Ifriqiya FM. Une fois n'est pas coutume, on va traiter de l'information aujourd'hui. Comme vous le savez, Ifriqiya Sport, c'est un magazine consacré à des débats, à des sujets de réflexion sur le sport africain et sur les personnalités panafricaines qui ont réussi dans le domaine du ballon rond, du ballon rond, du petit ballon, en lutte, en judo et dans tous les sports. Mais les circonstances aujourd'hui vont changer parce qu'on a la Super Coupe d'Afrique. Le choc des titans égyptiens, les pharaons, se battront entre eux, bien sûr, sur un terrain pour essayer d'avoir cette Super Coupe d'Afrique. Le stade du King Abdallah en Arabie Saoudite va accueillir cette finale, cette Super Coupe entre les grands clubs égyptiens. On va continuer aussi. Après ce match-là, Zamalek Ahli, on va parler aussi de la rumeur ou la quasiment certitude pour moi que Samuel Eto'o va se présenter pour la CAF, la Confédération Africaine de Football. Et on va revenir aussi sur la performance de la sélection algérienne et aussi les noms qui vont peut-être être appelé prochainement en équipe d'Algérie, l'équipe d'Algérie qui va affronter le Togo en aller-retour ce mois de octobre. On revient bien sûr sur cette finale, pas mieux que notre frère et ami égyptien polyglotte Amr Fahmy. Je vous invite à liker et aller le voir sur les réseaux sociaux. Et il est là, Amr, et Amr il va nous parler de l'Afrique et de ce derby là. Bonjour Amr. Bonjour mon frère, c'est toujours un plaisir d'être avec les auditeurs d'Ifriqiya FM, être avec toi. Amr, parle-nous du derby d'aujourd'hui entre le Zamalek et le Ahli. C'est le plus grand derby en Afrique. L'Ahli Zamalek, c'est une très belle histoire de football. Je pense que pour la CAF, pour le foot africain, avoir les deux équipes en finale, c'est très bon. Ça sera une occasion très attractive pour tous les spectateurs africains, pour tous les acteurs de foot en Afrique. C'est la deuxième fois que les deux équipes jouent la Super Coupe après 1994 en Afrique du Sud. Cette fois-là, Zamalek avait gagné avec un seul but, mais aujourd'hui, elle a les parts comme favori. Mais c'est toujours un derby, ça reste un derby. Il ne peut jamais dire que Al-Ahli va gagner ou Zamalek va gagner, c'est un derby. Mais l'occasion reste une très belle occasion pour le foot africain. C'est comme avoir Real Madrid-Barcelone ensemble en finale de la Ligue des Champions européenne. C'est la même chose exactement, mais pour l'Afrique. On a vu que les deux équipes ont joué la finale de la Ligue des Champions africaine il y a 4 ans. Al-Ahli avait gagné 2-1 au Caire, mais c'était l'époque de Covid, donc ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une fête pour le foot africain avec des spectateurs à Riyad, avec une atmosphère très belle. On sait bien qu'il y a beaucoup d'Égyptiens qui habitent en Arabie Saoudite, donc le match sera une très bonne occasion pour le foot africain. Amr, pour toi, c'est quoi les avantages pour le Ahli et bien sûr les avantages pour Zamalek?
Là, il y a des meilleures conditions avec la stabilité technique, avec le technicien suisse Marcel Kohler. Là, lui aussi a fait un bon mercato depuis l'arrivée de Yahya Atiatollah, le latéral gauche marocain, qui a beaucoup d'expérience en Afrique avec Wydad de Casablanca. Mais Zamalek reste Zamalek. Ils aussi ont fait un bon mercato. En autre latéral gauche marocain, Mahmoud Bentayeg, et en extrême polonais, Michalak. Donc, il y a des nouveaux joueurs, mais il n'y a pas de grande absence. Seulement le latéral gauche de Zamalek et international égyptien, Ahmed Fatouh, qui a des problèmes judiciaires en Égypte. Mais les deux équipes sont là, sont présentes. Ils ont tout pour offrir un bon match au début de saison. Je crois que les deux équipes ont la volonté, la soif pour gagner parce que les motivations sont très élevées. Amr, une question qui va te gêner un petit peu. Un pronostic pour cette finale? C'est toujours très compliqué de faire un pronostic. En papier, l'IA est favori, mais le derby, c'est jamais facile de dire qui va gagner, qui va dominer le match. Un derby reste un derby. Pour moi, c'est égal. 50% pour chaque équipe. Amr aussi, on aimerait bien savoir comment le Ahly est arrivé là et quelle est la force de cette équipe de Zamalek. Pour Al-Ahli, je pense que c'est la culture de gagner, la culture de savoir comment gérer les matchs finales. On a vu ça pendant la dernière fois que les deux équipes ont joué ensemble en finale d'une compétition continentale, la Ligue des champions africains 2020 au Caire. Al-Ahli n'était pas la meilleure équipe, mais Al-Ahli a su comment gérer le match, comment gagner le match. Donc Al-Ahli a beaucoup d'expérience, a le caractère du champion. Zamalek, c'est le style de jeu, un style de jeu plus attractif, peut-être. Je pense que Zamalek a aussi la soif pour gagner, pour faire Al-Ahli souffrir, comme c'était le cas il y a 4 ans. Amr, ça a parlé de la délocalisation du siège de la CAF par de l'entourage de Samuel Eto'o. Comment tu vois que la CAF, Confédération africaine, va quitter le Caire? C'est toujours compliqué de localiser le siège de la CAF parce que c'est une chose qui appartient à l'Assemblée générale de la CAF. C'est pas le président, c'est pas le comité exécutif qui décide une telle chose. L'Égypte reste l'Égypte. L'Égypte est fondateur de la CAF avec autres 3 nations africaines. Et je pense que il y a beaucoup de staff égyptiens avec beaucoup d'expérience qui travaillent à la CAF et qui servent le foot africain. Délocaliser la CAF, ce n'est pas la solution pour les problèmes de foot africain. Les problèmes de foot africain se trouvent au comité exécutif, par exemple. Ce sont les politiciens du foot africain qui gèrent tout. Mais les exécutifs au Caire, ce n'est pas eux qui décident. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée et c'est toujours compliqué pour délocaliser le siège de la CAF parce que c'est l'Assemblée générale qui décide, c'est pas le président, c'est pas le comité exécutif. Merci, Amr, mon frère Amr, de ta gentillesse. Merci mon frère, merci. À la prochaine. On termine avec Amr et avec le choc des Titans en Égypte.
vais décoller moi et mon équipe vers le Cameroun, les Lions d'Indomptables du Cameroun. Comme vous le savez, Guy Itoum, il est toujours là pour pimenter notre émission avec sa voix purement camerounaise. Et salutations aux auditeurs à Yaoundé, salutations à tous les fans de Douala aussi, les auditeurs de Douala. On va avoir avec nous Guy Itoum, journaliste expert du sport du football camerounais. Bonjour Guy, est-on candidat à la Confédération ou à la présidence de la Confédération africaine de football? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs du Frère FM. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir sur la radio du continent africain. Alors, il faut tout d'abord préciser qu'il s'agit encore d'une rumeur. Il n'y a pas d'annonce officielle d'une potentielle candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la Confédération africaine de football. La rumeur enfle de plus en plus et beaucoup de Camerounais ne sont pas surpris en fait par cette annonce parce que, on le sait tous, il a soutenu Ahmad Ahmad à la présidence de la CAF et depuis cette période-là, on sait que son cheminement c'était dans la logique justement de suivre après Ahmad, de poursuivre l'œuvre d'Ahmad à la tête de la CAF et lui-même briguer un mandat à la tête de cette institution. Donc, les Camerounais ne sont pas surpris. On voyait ça venir. Bon, maintenant, je rappelle qu'il s'agit encore d'une rumeur. Parce que ici au Cameroun aussi, les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT sont en train de demander à Samuel Eto'o de rempiler pour un second mandat de 4 ans. Rappeler que son mandat s'achève en 2025. S'il rempile pour 4 ans, il sera à la FECAFOOT jusqu'en 2029. Alors, c'est vrai qu'au-delà de ça, il aura beaucoup plus d'expérience dans le management des institutions sportives et pourra paisiblement se présenter. Mais jusqu'ici, il n'a pas fait de déclaration officielle. C'est vrai que son entourage en parle de plus en plus, mais les Camerounais, au fond, sont contents. C'est toujours un plaisir d'avoir un Camerounais à la tête de l'institution. Issa Hayatou y a passé près de 28 ans. On a vu les résultats et pourquoi pas, dans la même logique, un autre Camerounais faire dans la même lancée que Issa de regretter mémoire. Donc voilà, les Camerounais, dans leur immense majorité, sont plutôt contents de cette nouvelle, même si elle n'est pas encore à 100% confirmée. A-t-il, Samuel, selon toi, ou penses-tu qu'il a vraiment un projet Parce que moi j'entends, lui il veut vraiment se présenter à la présidence de la CAF. Alors, il serait difficile pour moi de parler du projet de Samuel, vu que déjà il n'a pas officiellement annoncé sa candidature. Donc, mais si on regarde, parce que il y a un truc sur Samuel Eto'o, c'est qu'il est méthodologique. C'est-à-dire que il a un cheminement, et ça c'est depuis qu'il était footballeur, il a un cheminement dans le travail qui est constant, qui est linéaire. Donc je me dis que si jamais il est candidat, alors son projet sera naturellement de rehausser l'image de marque de la CAF qui a été un peu écornée ces dernières années avec tout ce qu'il y a eu autour, avec le secrétaire général Monsengo. Donc voilà, je pense que si jamais il remplit pour un mandat à la tête de la CAF, son projet sera naturellement d'abord de rehausser l'image de marque de la CAF. Et ensuite, comme lui-même l'a toujours dit, il a plaidé pour que l'Afrique ait une plus grande représentativité à la Coupe du Monde. Donc je crois que ce sera ça son cheval de bataille, entre autres. Donc il serait pas très logique pour moi de parler d'un projet qui n'existe pas encore, qui n'est même pas encore sûr. Donc voilà.
Guy, on voit que on sait que le ministère il est toujours en conflit avec Eto'o. Est-ce que tu penses que le ministère des Sports camerounais va soutenir Samuel pour cette élection ou sa campagne en Afrique s'il se présente, bien sûr? Oui, le ministère, il faut rappeler que le ministère est une institution qui, au-delà de tout, représente le Cameroun et se bat pour les intérêts des Camerounais. Donc, si demain ou après-demain, Samuel Eto'o est candidat à la CAF, bah, naturellement que le ministère des Sports va le soutenir en tant que le ministère des Sports, en tant que représentant du Cameroun. On est quand même en droit de dépasser les problèmes de personne. Parce que, il faut le dire, le ministère en lui-même n'a pas de problème avec la Fédération camerounaise de football. Ce sont les hommes qui sont à la tête de ces institutions, c'est-à-dire Samuel Eto'o et le ministre Moïse Kombi. Ce sont ces hommes qui ont des problèmes de personne. Donc, je pense que si le Cameroun est candidat à la présidence de la CAF, le Cameroun encore ne peut pas combattre le Cameroun. Donc, le ministère ici représente le Cameroun et va là, logiquement soutenir Samuel Eto'o pour ce projet. Ça, c'est encore qu'il y a de fortes chances qu'au moment même de cette candidature, l'actuel ministre ne soit plus en poste. Il y a des rumeurs de remaniement dans des coulisses au Cameroun pour l'année 2025. Donc, autant de choses. Mais je pense que pour répondre définitivement à votre question, que oui, le ministère, en tant qu'institution du Cameroun, va soutenir la candidature de l'un de l'enfant le plus représentatif du Cameroun, qui est Samuel Eto'o. Le stage d'octobre, des échos sur le stage des Lions pour le mois d'octobre? Alors, pour le stage d'octobre, ce sera. Nous, les Camerounais, dans leur immense majorité, prient que ce ne soit pas pareil que les deux derniers stages de Lyon et Nantes, qui étaient à la limite catastrophiques en termes de préparation. Mais Marc Brice l'a dit la dernière fois qu'ils sont en train de travailler, pardon, de travailler pour qu'il y ait véritablement, définitivement, un seul staff à la tête des Lions Indomptables. Et je crois que c'est en train de se faire en coulisses. Le staff nommé par la FECAFOOT est bien évidemment celui qui doit avoir pignon sur rue. Donc, je pense que les hommes sont en train de travailler en coulisses pour que le rassemblement se passe beaucoup plus dans le calme, dans une sorte de quiétude par rapport à ce qu'il y a eu jusqu'ici. Donc, au-delà de ça, il y a cette affaire d'équipementier. Vous le savez, le Cameroun a rompu, la FECAFOOT a rompu son contrat avec Bono Sport. Un appel d'offres à candidature a été lancé le 20 septembre dernier. Et donc, on doit choisir un nouvel équipementier pour les Lions Indomptables très bientôt. Donc, voilà, c'est sur cet aspect que la FECAFOOT est en train de travailler. C'est vrai ils sont en négociation avec Adidas depuis quelques temps. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que en octobre, pour le regroupement d'octobre, il y aura certainement un seul staff à la tête des Lions Indomptables et le Cameroun sera habillé par un nouvel équipementier. Ça, c'est l'info à retenir. Et aussi, terminons, j'aimerais bien savoir quelles sont les informations qui circulent sur le championnat local. Alors, pour le championnat local, c'est vrai qu'il y a un flou qui persiste sur la date de début. Elle avait tout d'abord été annoncée pour cette fin du mois de septembre, mais vu comment les choses vont, ce n'est plus probable. Et il y aura certainement un glissement de date, comme on a coutume de dire chez nous. Donc, le championnat local va certainement reprendre en octobre. Je savais, il y a la finale d'abord de la Coupe du Cameroun, dimanche, le 29 septembre. Donc, après ça, je crois que c'est après ça, cette finale marque la clôture des activités sportives au Cameroun. Donc, c'est après ça que les différentes fédérations pourront s'organiser pour relancer la nouvelle saison. Donc,
Je pense que c'est en octobre, finalement, que le championnat local va démarrer. Pour l'instant, les clubs sont à pied d'œuvre. Il y a des recrutements. Les équipes étoffent leurs effectifs et les gars travaillent. On a hâte que le championnat reprenne. Ça va nous faire du mouvement dans le pays et on a hâte de savoir qui va succéder à Victoria United en tant que champion du Cameroun. Merci Guy Itom de ta gentillesse. Guy, mon ami, il est sur les réseaux sociaux. Suivez-le pour avoir de l'actualité et des informations du football camerounais. Merci, merci à toi, Walid. Direction chez nos confrères de 11 Mondial et le rédacteur en chef du magazine international, l'Algérien Zahir Saadi. Zahir Oussaadi, on va l'avoir avec nous. Bonjour Zahir. Parle-nous, comment tu as trouvé la sélection algérienne lors de son dernier stage? Alors, j'ai trouvé une équipe d'Algérie qui était consistante, assez solide, cohérente, avec des joueurs qui se connaissent pour la plupart maintenant depuis de nombreuses années et qui sont encore là malgré le changement d'entraîneur. Il y a eu de la solidité défensive d'une part, il y a eu beaucoup de blocs équipe. On va dire que les joueurs ont su rester regroupés, évoluer en bloc. Et du coup, ça a permis à l'Algérie d'empocher deux victoires, de se mettre dans de bonnes dispositions pour les qualifications à la Coupe d'Afrique. Donc, c'est une très bonne opération du point de vue comptable et évidemment aussi psychologiquement avec notamment un sélectionneur, Vladimir Petkovic, qui en sort renforcé. Est-ce que tu penses que un renfort est envisageable et où l'on va dire où le renfort, à ton avis, il y aura un renfort? Est-ce qu'il va y avoir du renfort? Il faut poser cette question à Vladimir Petkovic et à Walid Sadi, qui doivent avoir des réponses. Il y a un travail de prospection qui est fait, il y a un travail de prise de contact qui est fait. Après, est-ce qu'ils vont venir dans l'immédiat? Est-ce qu'ils vont venir un peu plus tard? On sait que l'équilibre d'un groupe, c'est assez fragile. Il y a un groupe qui fonctionne plutôt bien depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Donc, je vois mal les verts tout chambouler, en tout cas dans un premier temps. Peut-être une bribe par-ci, par-là, mais je ne vois pas l'équipe d'Algérie faire venir beaucoup, beaucoup de joueurs. Zahir, dernièrement, on a vu que beaucoup d'internationaux algériens retournent au pays. On parle de Slimani qui est revenu en Algérie. La venue aussi de Andy Delors au Mouloudia d'Alger. Que penses-tu de cela? Comment tu vois cela pour le championnat algérien? C'est vrai que plusieurs internationaux ou anciens internationaux algériens ont signé en Algérie cet été. On peut parler de Slimani au CRB, on peut parler de Delors avec le Mouloudia d'Alger. Il y a aussi Boudbouz à la JSK, même si ce n'est pas encore contractuellement réglé. Enfin, tous les détails ne sont pas réglés. Mais le championnat algérien, quand même, le vent en poupe. Et puis, le championnat algérien propose des choses intéressantes, déjà des salaires intéressants. Donc, qui ont de quoi attirer et les joueurs binationaux et les joueurs algériens qui ont été formés en Algérie pour les faire revenir. Et puis même plus globalement, des joueurs étrangers. On voit beaucoup d'étrangers qui viennent en Algérie parce que le championnat est assez compétitif, parce que les moyens sont importants. Donc voilà comment expliquer le phénomène. Et puis il y a de l'engouement, il y a de la passion, il y a de la ferveur. Je pense que certains joueurs préfèrent évoluer dans des championnats, dans des stades pleins, avec des matchs de Coupe d'Afrique plutôt que dans des divisions inférieures ou des championnats exotiques. Donc, il s'explique et par le prestige sportif et par les moyens financiers. Merci Zahir Oussaadi de ta gentillesse et tu resteras toujours le bienvenu à Ifriq FM. Je veux remercier vos auditeurs, Walid, parce que je sais qu'ils sont fidèles, je sais qu'ils sont toujours là, toujours mordus de foot. Donc, j'en profite pour leur passer un grand bonjour, un grand bonsoir. Voilà. Et puis, je remercie tous les auditeurs vraiment de leur fidélité. J'espère qu'ils continueront à suivre cette émission. C'est une émission de qualité. C'est pour ça que j'interviens assez régulièrement. Donc voilà, continuez à soutenir cette émission et longue vie à elle. On arrive à la fin de l'émission, mes sœurs et frères, on arrive à la fin de l'émission. Et je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Continuez avec nous début de semaine sur 26 minutes sport. On va aussi continuer avec l'actualité du sport africain. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire connaîtra la conférence de presse de Guy Demel au stage Félix Oppenheuth de Boigny.
Guy Demel va parler des deux rencontres et la liste prochaine contre la Sierra Leone. Aussi, on reviendra sur la liste de la Côte d'Ivoire dans notre prochaine émission. Et je vous invite à télécharger notre application disponible et à liker Ifrique FM dans tous les réseaux. Et à bientôt, mes chers frères.